Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais tenter de répondre à une question que vous me posez souvent. C'est, peut-on prendre de la masse musculaire avec les bandes élastiques et les programmes MEMP? Donc avant de commencer, j'ai déjà fait une vidéo précédente sur les avantages de l'entraînement avec bandes élastiques. Je vous encourage vivement à la regarder. Et maintenant, on va essayer de conceptualiser ce qui se passe lorsque vous vous entraînez. Donc lorsque vous débutez un programme sportif, un nouveau programme de renforcement musculaire ou de musculation, dans les premières semaines, dans les premiers mois, on va travailler sur l'adaptation de votre système nerveux. En d'autres termes, ça veut dire qu'on va essayer, votre corps va essayer de devenir plus efficace pour contracter les bons muscles avec la bonne intensité afin de bien stabiliser les articulations et de bien maintenir, si vous voulez, bien contrôler le mouvement durant l'exécution donc des mouvements, des circuits que vous êtes en train d'effectuer. À mesure où les semaines et mois passent, il va falloir appliquer de nouveaux facteurs afin d'induire des adaptations qui vont vous permettre de continuer à améliorer votre force et votre masse musculaire. Donc ces facteurs, ils sont clairement identifiés aujourd'hui par la science et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc les deux principaux facteurs, c'est la tension intramusculaire et le temps sous tension. En des termes un peu plus simples, il faut que les muscles subissent une tension importante et que cette tension perdure un certain temps, c'est-à-dire un certain nombre de secondes, voire de minutes, afin précisément de produire des adaptations au niveau musculaire, tissulaire, au niveau cellulaire et au niveau épigénétique, c'est-à-dire éteindre ou allumer certains gènes qui sont responsables de la construction de la masse musculaire. Parmi les méthodes qui agissent sur la tension intramusculaire et le temps sous tension, dans les programmes MEP et avec les bandes élastiques, on retrouve des méthodes comme l'isocontraste, le tempo contraste, où on va alterner des répétitions lentes avec des répétitions rapides. On va retrouver les séries drop sets où cette fois-ci, en fait, on va mettre beaucoup de tension dans un exercice avec bande, puis progressivement reculer pour diminuer la difficulté de l'exercice en diminuant la tension des bandes et donc la tension que reçoivent les muscles. On retrouve également d'autres méthodes comme la pré-fatigue pliométrique, les micropulses, l'isométrie totale ou encore les clusters. Deuxième facteur important, c'est ce qu'on appelle le stress métabolique. Alors le stress métabolique, c'est tout simplement ce que vos cellules subissent durant l'entraînement, notamment lors de l'exécution d'exercices ou de circuits d'exercices où les muscles vont brûler de plus en plus. Alors durant ce genre de série d'exercices ou de circuits, l'enchaînement des répétitions et les contractions des muscles empêchent progressivement le sang de s'échapper. L'apport d'oxygène diminue de façon exponentielle, ce qui provoque une asphyxie progressive des muscles qui sont en train de travailler. Du coup, les réactions chimiques pour produire de l'énergie nécessaire pour continuer votre série produisent de plus en plus de molécules qui, en s'accumulant finalement, à cause de la moindre circulation du sang, perturbent de plus en plus la contraction musculaire. Cela favorise un gonflement transitoire des cellules musculaires et finalement, ces quatre facteurs que sont l'occlusion des veines par le sang, l'hypoxie et l'accumulation des molécules métaboliques ainsi que le gonflement cellulaire représentent un stress important pour le métabolisme des cellules musculaires et par conséquent induisent également des adaptations musculaires, cellulaires, épigénétiques conduisant à la construction de nouveaux tissus musculaires plus résistants et plus adaptés. Parmi les méthodes qu'on utilise dans les programmes MEP avec les bandes élastiques, mais pas exclusivement, ça peut être utilisé au poids de corps ou en combinant par exemple la fonte et les bandes élastiques comme c'est le cas dans MEP fonte, il y a des méthodes comme l'intervalle training, donc avec des intervalles de 30 secondes de travail, 30 secondes de récupération, 20 secondes de travail, 10 secondes de récupération ou d'autres formes d'intervalles. On retrouve également les séries longues, donc les séries longues où on va enchaîner différents exercices à l'intérieur d'un même circuit. Donc par exemple, on peut travailler sur une série longue biceps, triceps, épaules, où on va travailler sur un nombre de répétitions relativement important, donc entre 15
et 20 répétitions. On prend pas de temps de récupération entre l'enchaînement de tous les exercices. La récupération se prend uniquement à la fin. Et donc là, le cumul en fait des exercices va favoriser en fait un stress métabolique, hein. Donc une baisse de la circulation du sang. Petit à petit, vous allez sentir que vos muscles se congestionnent de plus en plus. Donc ce sont tous les effets que j'ai détaillés précédemment. Et donc ces effets vont avoir un impact marqué sur la reconstruction des tissus, sur l'adaptation cellulaire et sur les facteurs épigénétiques. Enfin, dernier facteur, les dommages musculaires. Lorsque vous faites un entraînement intense ou un nouveau type d'entraînement, ou même que vous faites 3 ou 4 heures de déménagement ou de jardinage, par exemple, donc des activités auxquelles vos tissus et vos muscles ne sont pas habitués, et bien là, on augmente les dommages que subissent en fait les muscles, tout simplement parce que vous avez dépassé leur tolérance, la tolérance des tissus. Et donc, ben, y a des micro-déchirures qui se produisent. Et c'est ce qu'on ressent un ou deux jours ou trois jours après ce genre d'activité, c'est les fameuses courbatures. Donc, si ce facteur, c'est-à-dire les dommages musculaires, est important, fait partie des informations qui vont conduire à une adaptation et à de la construction musculaire, il ne faut pas que ces dégâts, que ces dommages musculaires soient trop importants, sous peine de diminuer votre récupération et surtout augmenter de façon considérable votre risque de blessure. Connaître et comprendre ces différents facteurs permet finalement de comprendre que tant qu'on agit sur les facteurs, quelles que soient les méthodes, que ce soit du poids de corps, de la fonte, des bandes élastiques ou d'autres formes d'entraînement, et bien finalement on va quand même pouvoir construire du tissu musculaire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté pas mal de réponses sur la question que vous me posez tout le temps, peut-on prendre du muscle avec l'entraînement aux bandes élastiques et les programmes MEP? Et puis bien entendu, si vous voulez aller plus loin, eh bien vous pouvez retrouver ces programmes, ces exercices, ces circuits et ces méthodes dans MEP 1, MEP 2, MEP Fonte. Et puis pour la récupération, toujours pareil, sport sans blessure et santé et nutrition. Entraînez-vous bien. Ne lâchez rien et puis à très très bientôt pour de nouveaux conseils d'entraînement. Bye bye.